Bienvenue dans cette vidéo unboxing où nous allons ouvrir une boîte mystérieuse. C'est pas mystérieux parce que vous savez déjà ce que c'est. Alors ça commence pas très bien. Juste pas abîmé. Waouh. Waouh. Alors dommage que la boîte elle est un peu amochée. Mais c'est grave, grave stylé. Mon serveur Discord a passé partner il y a pas longtemps. Et du coup, Discord, ils ont décidé de m'envoyer ce truc-là. Imagine a place. Oh, une petite carte avec, c'est trop joli. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Donc on a une petite carte avec un petit mot. Et là, ben, on a un paquet de stickers. C'est grave chou. J'aime trop. Je vais le laisser là. Ok, ça me fait trop de la peine de l'ouvrir. Et waouh. On a un badge Discord. C'est trop chou. Il est trop beau. Celui-là, je peux l'ouvrir par contre. Ça ressemble à ça. C'est trop mignon. J'aime bien les petits confettis. C'était très, très festif. C'est plein de chenilles, par contre, c'est un peu dommage. Je viens de passer l'aspirateur. Il ressemble à ça. C'est trop stylé. Par contre, ouais, il y a un peu plein de petits machins blancs encore. J'aime beaucoup. Et là, derrière, on a un grand en cousu. Le design du partner. C'est trop stylé. Merci à beaucoup à Discord, en tout cas, de m'avoir envoyé ce petit bijou. C'est grave, grave stylé. Je vais porter tout le temps, en plus je suis une personne qui porte tout le temps des pulls, hein. Donc voilà. On a même un petit boom pouce sur la manche ici. C'est trop cute. Oh, j'ai envie de le porter. C'est trop bien. J'avais peur que quand on devait choisir notre taille et j'avais peur qu'il soit trop petit ou trop grand. Mais en fait ça me va bien. J'ai vraiment pas envie de l'ouvrir, hein. Oh, mais ça me fait trop de la peine d'ouvrir ça. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir. Waouh. Je fais ça sans l'arracher. Oh, j'aime. En vrai, il est mignon. Vu comme ça. Je peux le mettre comme ça. Ah, mais c'est trop bien parce que c'est un... Ah, j'avais pas vu, c'est un sachet. Donc, je peux techniquement le remettre. On va l'ouvrir. Oh, ils sont tout brillants. Ils sont tout brillants. Il y a un Woom Pouce dans une bouteille. Ici, on a le Woom Pouce on board, qui est très mignon. On a un logo Discord, en jaune, parce que pourquoi pas. On a le Woom Pouce Books, la box Woom Pouce. Le logo partenaire en grand, c'est très stylé. Après, il y a quoi? Bah, du coup, il y a le fameux Woom Pouce dans la bouteille. On a un autre logo partenaire. On a un petit Woom Pouce avec un dessus, parce que pourquoi pas. Et le dernier que je trouve très stylé, c'est encore un logo partenaire, mais genre en 3D et tout. Il brille. Mais je ne vais jamais les utiliser. Donc on va remettre ça là-dedans. Mais mon truc préféré quand même, ça reste le pull et le badge surtout. Il est beaucoup trop joli. Bon, maintenant il faut que je vous présente mon serveur. J'ai un serveur Discord dédié à ma communauté, mais aussi à l'art. En effet, on a une catégorie uniquement réservée à toutes sortes de formats artistiques, que ce soit du dessin papier, digital, du craft, de la 3D, de la photo, etc. etc. D'ailleurs, pour rejoindre, c'est simple, le lien sera dans la description, mais vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le petit plus, ajouter un serveur, vous mettez rejoindre un serveur, et ici, vous avez juste à écrire .gg/kiwi. Tout ce qui reste à faire, c'est d'accepter le règlement, et puis voilà. Pour parler aussi plus des channels de discussion, on a également des salons qui sont dédiés aux gaming, aux mèmes, aux théories de jeux vidéo, bref, plein de salons variés. On a aussi un channel radio Lofi qui tourne non-stop, vous avez juste à cliquer sur le salon et voilà, vous avez de la musique. Il y a aussi un salon où vous pouvez écouter votre musique, vous avez juste à drop votre playlist Spotify dans le salon dédié, ça vous évite les pubs si vous n'avez pas premium sur Spotify.
voilà. Et bien sûr, vous avez un salon qui est dédié aux updates de ma chaîne et du serveur. Ça évite de rater mes vidéos à cause des notifications YouTube qui marchent une fois sur deux, voilà. Maintenant, comment est-ce que notre plateforme, elle marche? Alors, le serveur, il dispose d'un système de ranking qui fonctionne en XP. Donc, en gros, plus vous parlez, plus vous montez de rôle et plus vous serez visible dans la liste des membres. On a aussi des salons rôles où vous pouvez choisir les notifications que vous souhaitez recevoir ou bien des rôles plus perso pour vous décrire. On fait aussi des giveaways Nitro de temps à autre, mais on organise surtout des concours artistiques à thème où vous pouvez gagner des objets ou de l'argent.